Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un mini haul action. Alors il y a pas grand chose, il y a un, deux, trois, il y a que quatre articles que j'ai acheté à action. Mais c'est pas des articles que j'ai achetés en une seule fois. Donc, je devais déjà vous faire la vidéo depuis longtemps. Il y a deux articles que j'avais achetés juste avant le confinement, c'est-à-dire le jour même, enfin la veille du confinement ou un jour avant, je ne sais plus. Et il y a un article que j'avais acheté il y a quoi, une semaine, 10 jours, donc pendant le confinement. Et un article que j'ai acheté hier, avant-hier. Oui, bon, enfin, bon, un jour près. Voilà. Bon, ce n'est que pour le coloriage. Donc, vous allez me dire, j'ai réussi à acheter quelque chose pendant le confinement pour du coloriage. Oui. Je vais vous montrer. Alors, dans ces articles, il y a une daube. Comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, il y a un vent de fou aujourd'hui dans le nord. Je suis allée, j'ai dit, bon, il y a du soleil, je vais tenter le jardin, désherber un petit peu, puisqu'avec toute la pluie qui est tombée, comme il y a quand même un rayon de soleil, je suis restée 10 minutes. J'ai dit, bon, allez, hop, on abandonne, on rentre, le vent est plus fort que moi. Donc, je suis rentrée. Mais maintenant, j'ai... Ça, bon, c'est pas grave. Alors, je disais, oui, dans mes articles, il y a une daube. Alors, est-ce que je vous montre la daube d'abord? Oui, je vais vous montrer la daube en premier. Donc, la daube, je vais aller la ramener à action. C'est pas la peine que je garde ça. Ça va me servir à rien du tout. J'ai perdu un truc. Ah non, il est là. Donc, ça, je l'ai acheté donc hier ou avant-hier. Je l'avais pas encore vu. Bon, en plus là pendant le mois du confinement, c'est encore plus sûr que je l'avais pas vu. Malgré que ce rayon-là était ouvert, je crois. C'était le rayon peinture. Vous savez là où il y a les toiles, tout ça. Je crois que ce rayon-là était ouvert. Mais bon, j'avais pas fait attention. Ce sont des pastels, mais à l'huile. Voilà. Des pastels à l'huile, donc que l'on peut tra alors eux ils disent que l'on peut les travailler à l'eau, voilà. Bon, moi j'en avais jamais eu hein, des pastels à l'huile, j'ai jamais travaillé avec des pastels à l'huile, donc j'ai d'abord regardé des vidéos pour savoir, parce que bon, ce qui marque, hein, donc j'ai d'abord regardé des vidéos pour savoir comment me servir des pastels. J'ai fait tout comme les vidéos disaient. Bon, bien sûr, les vidéos que j'ai vues, j'en ai vu qu'une hein, avec celle-là. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une fille que je regarde de temps en temps. Mais enfin, j'ai vu déjà qu'elle avait du mal, beaucoup de mal à sortir quelque chose avec. Et donc, les autres vidéos que j'ai regardées. C'était pas du tout avec cette marque-là. Là, c'était avec des pastels à l'huile, mais de marque genre Faber-Castell, voilà, tout ça. Donc, des bonnes pastels à l'huile de la marque. Et je dis, bon, bah, si ça marche avec ces pastels-là, peut-être que ça va marcher avec les pastels d'Action. Entre parenthèses. Et donc, j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors, j'ai essayé. Alors, je vais vous montrer mes essais. Hein. J'ai essayé, comme beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y a plusieurs vidéos où ils font avec le doigt. C'est-à-dire, bon, ils mettent le pastel. Je vais vous montrer mes essais. Ils mettent le pastel sur le papier et ils étalent doucement avec le doigt. Donc, ça devient lisse, ça colore votre coloriage. C'est vraiment impeccable hein, quand c'est des bonnes pastels. J'ai essayé à des sans odeur.
Alors, l'essence aux odeurs, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au coton à démaquiller, j'ai essayé au coton-tige. J'ai tout essayé. J'ai essayé à l'eau, comme ils disent sur la boîte. Voilà. Et j'ai essayé à l'huile. Donc, c'est de l'huile spéciale, pas l'huile à salade. Hein. Pareil. Donc, rien ne fonctionne. Bah, c'est de la grosse daube. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vous ai marqué. Alors, est-ce que moi, je ne vois pas bien. Ah oui, ça va être à l'envers. Alors, attendez. Ici en haut. Voilà. Donc là, c'est le pinceau et l'essence. Voilà. Donc, normal, ça, vous voyez, ça n'étale que là où il y a de la couleur. Hein. Ça n'étale pas du tout à côté. L'huile, alors l'huile, n'en parlons pas. Hein. Ça fait rien du tout. Là, ici, les deux taches, là, c'est à l'eau. Donc, n'en parlons pas non plus. Les quatre rouges ici. Donc, ceux-là, je les ai faits. Alors, les deux sur le côté, c'est coton à démaquiller, essence. Voilà, ces deux-là. Ici, coton à démaquiller et essence. Et ces deux-là, au coton-tige et essence. Et là en bas, au doigt. Voilà. Vous voyez, ça fait des traces. C'est tout ce que ça fait. Donc, c'est de la daube. Voilà. Et en plus, faut y aller. Hein. Donc, je vous conseille pas d'acheter ça, hein. Ça. Alors, le prix, je ne saurais plus vous le dire. C'est dans les 2 euros. C'est pas plus que 2,90 €, hein, mais le prix exact, je ne l'ai plus en tête. Mais alors, je ne vous conseille pas. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, voilà, je vais le dire, qui les ont achetés, qui ont réussi à s'en servir? Si vous avez une solution, bah, une solution miracle, bah, dites-le moi. De toute façon, là, j'irai pas les rendre ce week-end, hein, j'irai les rendre que lundi. Donc, à moins que vous ayez une solution miracle pour vous en servir. J'ai même essayé hein, sur du plastique, donc mouiller mon plastique, mettre l'aquarelle et sur le papier, bah, faut chercher la couleur. Hein, donc, il y a des couleurs en plus à l'eau. Transparent. Donc, bon, je ne parle pas du blanc, hein, bien sûr, mais il y a des couleurs rouges, par exemple. Donc, voilà. Alors, ça, je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est des sous foutus en l'air. Donc, ça, c'est de la daube. Voilà. Ensuite, que j'avais acheté, donc, juste avant le confinement et que je n'ai pas encore essayé. Donc j'espère que ce n'est pas de la daube parce que là je ne pourrais plus les rendre. Ils ont sorti une petite boîte d'aquarelle. Désolée, vous voyez à l'envers, mais c'est mon téléphone. Hein. Donc c'est marqué Aquarelle Box. Et ils ont, je ne sais pas mon autre boîte d'aquarelle, hein, celle de Marc, mais ils ont fait la copie d'une boîte d'aquarelle de Marc. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte. Sympa. Voilà. Alors, je vais enlever le pinceau parce qu'il va tomber. Je vais vous le montrer après. Voilà les couleurs. Bon, c'est bien parce qu'il y a du blanc. Du blanc, j'en avais pas dans mon autre boîte. Donc, là, vous avez un plastique avec tous les noms des couleurs. Voilà. Et voilà les couleurs. Donc les couleurs ont l'air pigmentées.
maintenant à voir à l'usage. Donc je ferai un colo à l'aquarelle. À l'aquarelle, c'est nouveau, c'est de sortir. À l'aquarelle, donc avec cette boîte, et on verra ce que ça donne. Je reviendrai dessus pour vous dire ce que j'en pense. Mais bon, je dis, les couleurs ont l'air pigmentées. Ont l'air. Est-ce qu'elles ont la chanson? Maintenant, c'est autre chose. Bon, le pinceau, lui, je pense que c'est une daube. Hein. Voilà, il est ça. Alors, c'est un pinceau pliant en deux morceaux. Voilà, que vous. Voilà le petit pinceau. Là, il est sec. Voilà, je passe à l'eau. Il est fin, mais bon, c'est pas un vrai pinceau d'aquarelle. Hein. Faut se le dire. Mais bon. Il peut peut-être travailler quand même. Hein. Mais bon, c'est un petit. Voilà. Bon, ça, les pinceaux d'aquarelle, j'en ai de toute façon, donc c'est pas le problème. Là, donc, je verrai. Alors, pareil, c'est dans les 2 euros. Je suis désolée, je vais essayer en montant la vidéo, je vais essayer de regarder avec le site internet d'Action, de retrouver les prix. Et je vous les mettrai. Donc, voilà. Bon, petite boîte. Donc, là, vous avez une palette pour mélanger vos couleurs. Ça, c'est bien. Si vous n'avez pas de palette à peinture, donc ça c'est pas mal. Bon, souvent les boîtes d'aquarelle ont leur palette, hein. Donc là ils l'ont faite. Et je vous dis, ça ressemble à ma palette à moi. Je vais vous remettre en photo ma palette à moi. Donc, vous voyez, ma palette ressemble bien à ce que je disais. Elle ressemble beaucoup à celle-là. Les couleurs ne sont pas toutes les mêmes, mais voilà. Et l'emballage lui ressemble pas mal également. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est les aquarelles. Ensuite, donc, avant le confinement, j'ai également acheté, c'est lourd, ceci. La grosse boîte de 50 aquamarqueurs. Donc ça, ce sont les feutres aquarellables. Voilà. Donc j'avais déjà des feutres aquarellables. Je ne l'ai pas encore déballé, je ne m'en suis pas encore servi. Alors, ceux-là sont emballés dans les. La bêtise. J'ai fait tout tomber. Super. Bon, je les ai mélangés, tant pis. Je les remets très bien. Ah, Gaston, la gaffe. Oh là là. La terre est basse. Me voilà. Alors, je vais peut-être l'ouvrir de l'autre côté. Ce sera mieux. Ah, Gaston, la gaffe, c'est moi. Vous n'avez pas eu peur hein, quand j'ai crié. Alors, voilà, ce sera mieux de ce côté-là. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, vous avez le support pour mettre vos garder vos c'est pas possible pour garder vos feutres à l'horizontale et non pas par terre. Oh mince. Bon, je le vois, on rigole. Je le vois, vous rigolez derrière votre écran. Alors, bon, je vais le laisser vertical, ce sera mieux. Hein. Alors, il y a des petits crochets là. Hop, hop, hop. Pour en mettre d'autres. J'ai vu hier qu'ils en ont ressorti, mais est-ce que c'est les mêmes couleurs? Alors, vous voyez, vous pouvez faire ça.
Alors, j'ai vu qu'ils en ont sorti, mais il faudrait que je vois si c'est les mêmes couleurs. Donc, il faudrait que j'y aille en découpant ça, le nuancier, et regarder si c'est les mêmes ou pas. Donc, voilà. À l'horizontale, hein. Je vais plus réessayer. Vous avez compris. Donc, ça, c'est sympa. Vous connaissiez le système déjà, je pense. Par contre, j'ai. Alors, je ne sais plus si c'est là. Moi, j'ai déjà cela. J'en ai 6 paquets différents. Là, c'est les oranges. Et j'ai. Ah non, je ne l'ai pas pris. Mince. J'ai. Du coup, avec cette boîte-là et cela, j'en ai en doublon. Mais bon. C'est pas grave, c'est le jour qu'il y en a un qui fonctionne plus, bon ben j'en aurai en doublon. Et ici, je ne crois pas que j'en avais en doublon, je vais vérifier. Non, ici j'en avais pas en doublon. Je pense pas. Non, je crois que c'est pas dans celui-là que j'avais en doublon. C'est dans ces paquets-là. Du coup, en vérifiant les numéros, j'ai vu qu'ils avaient un paquet, des paquets des gris et marron. Bah dedans, j'en avais deux, pareil. J'avais des doublons. Je n'avais pas fait attention que je les avais achetés. Mais bon. Et ici, non, ça va. J'ai pas de doublons. Donc, ça, c'est top. J'aime bien avec la boîte. Et du coup, je vais regarder la suite des boîtes qu'ils ont ressorties à la réouverture là, du 10, au 19. Voir si les autres, ben, c'est les mêmes couleurs ou pas. Voilà. Et peut-être, parce que je suis en train de regarder. Ah oui, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Là, vous voyez, c'est les aquarellables. Et là, au-dessus, c'est les feutres à alcool. C'est les noirs. Donc, les supports vont l'un sur l'autre normalement. Ça, c'est bien. Bon, maintenant, je vais remettre dedans. Alors, comme ça. Plus faire de bêtises, hein? Je les ai fait assez tomber. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'était pareil. Je vais regarder le prix pour vous le redire. Je vous le remarque en dessous. Donc voilà, ça c'était les aqua marqueurs que vous connaissez déjà. C'est juste pour vous dire que je les avais pris. Ça, c'est ce que, ici, le dernier article, c'est ce que j'ai pris pendant le confinement. Je les avais vus sur une vidéo de Johanna Color, je crois c'est son nom, oui, je crois que c'est ça son nom de vidéo sur YouTube. Ce sont des stylos gel pen glitters. Voilà. Donc, elle n'avait que 3 paquets aussi. Moi, j'ai trouvé que les 3 paquets. Donc, je ne pense qu'il n'y a que ces 3-là. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi, comme elle avait trouvé ça super beau aussi, les images derrière. Regardez. Vous voyez. Qui nous montre justement les couleurs. Et en plus, vous voyez, c'est en relief. Donc c'est super beau. Alors, par contre, pareil, je ne les ai pas encore essayés. Donc je vais les essayer avec vous. Alors, je vais changer le téléphone de place pour que je vous montre mieux ce que ça fait. À tout de suite. Alors, voilà. On va faire ouvrir le rose. Je ne vais peut-être pas tous les ouvrir, mais c'est pour voir déjà ce que ça fait. Alors, je regardais si j'avais une feuille de papier blanc ici en haut, mais je n'en ai pas. Non, c'est rien, je vais faire sur du papier comme ça et sur du papier noir pour qu'on voit ce que ça fait. Ah. Bon, déjà, il faudra que j'arrive à enlever le bouchon.
C'est pas vrai. Ah, aujourd'hui, c'est le jour, hein? J'arrive pas à enlever le bouchon, les filles. Bah alors, c'est quoi ça? Ouh là là! Bon, il se dévisse pas quand même. Il se dévisse. Ah bah oui. Ah bah attendez. Non? Pourtant, il se tourne. Ah, la blague à deux balles. Bon, attendez, je vais essayer un autre. C'est pas vrai, ça. Ah, voilà. Bon, bah, alors celui-là est coincé. Je vais demander à Chouchou qui me le décoince. Ah, alors voilà la mine. Comme un stylo, hein. Voilà. Bon, il écrit fin. C'est vrai que j'aurais préféré avoir un papier lisse. Oui, sur celui-là, peut-être. Alors, est-ce que vous allez voir si ça brille? Oui, un petit peu. Vous voyez? Vous voyez? Ça fait glitters. Voilà, vous voyez? Ça brille. Alors, sur le noir, qu'est-ce que ça fait? Ah non, là, sur le noir, le rose, bon, ça fait glitters, mais c'est tout, hein. Non. Celui-là, il n'y a pas moyen. Bon, on va demander à Chouchou. On va essayer une autre couleur. Bon, là, j'ai essayé dans les roses. On va essayer dans ceux-là. Alors, on va essayer le jaune. Donc, ça, c'est bien. Ah non! Non! C'est pas vrai, ça! Ils les ont collés ou quoi? C'est pas possible! Ah, ça y est, j'allais dire. Désolée, mon téléphone, c'est le Facebook qui. Alors, enfin, le jaune. Oui, ça brille. Alors, du coup, le jaune, on va essayer peut-être. Non, sur le noir, même en faisant. Non. Ça sert pas à grand-chose sur le noir, voyez. Alors que pourtant, voyez, eux, ils font l'essai sur le noir. Mais ça, c'est pas vrai. Donc, le jaune, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on peut encore essayer? Allez, on va encore en essayer un. Ah, celui-là, il va bien. Le rouge. En tout cas, il brille bien. Voyez? Est-ce que le rouge marche sur le noir? On voit hein, que moi je le vois quand c'est écrit, mais bon, ça. Vous voyez? On voit que c'est écrit, mais du coup, on ne distingue pas les couleurs. On voit le brillant seulement. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Donc du coup, pour faire par exemple des traits, voilà. Et, quand on a des fins traits à faire sur un coloriage ou voilà, des choses comme ça, n'importe. Bon, je fais n'importe quoi, là, je fais un gribouillage, mais. Allez, hop. J'essaie de retrouver la lumière pour vous montrer. Ah, je ne retrouve plus le sens de la lumière. Voilà.
Non, ça va, c'est bien. Donc voilà. Moi, ça, c'est bon. Alors, il va falloir que je demande à Chouchou qui regarde là, les bouchons qui ne veulent pas s'ouvrir. Donc voilà. Attendez, je vous remets face à moi. Voilà, me revoilà avec toutes mes péripéties, mes feuilles qui tombent, mes bouchons que je ne sais pas ouvrir. Donc voilà, non, mais les stylos gel pen, là, ils sont pas mal. Voilà, ils brillent bien pour faire des petites choses fines dans les coloriages, des choses comme ça, ou même faire des écritures. Hein. C'est pas mal. Bon. Donc là, après, je vais les déballer, les mettre dans un pot, dans une trousse. Alors, par contre, ils ne disent pas si on doit les garder debout ou couchés. Là, il n'y a rien d'écrit. Donc, bon, je vais voir. Voilà ma petite vidéo mini haul action. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme j'ai dit, hein, pour les pastels à l'huile, ben, si vous avez réussi à vous en servir, ben, dites-le-moi. Et dites-moi comment. Parce que moi, j'ai tout essayé. Ça fait du caca doigt. Je ne vais pas essayer ça du tout sur mes coloriages. Hein, ça va les foutre en l'air. Donc dites-moi quoi, comme ça, ben, si d'ici lundi vous avez une solution, ben, j'essaierai, si ça me va, bon, ben, je les garderai, si vous n'avez pas de solution, ben, ou si lundi, 1, 2, 3, lundi je les reporte à Action et je demande le remboursement de toute façon, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Alors, si vous ne revenez pas sur ma chaîne du week-end, je vous souhaite un très bon week-end avec le soleil, j'espère, pour vous. Nous, ça va être temps pourri, comme d'hab, alors, on a l'habitude, hein. Voilà, joli mois de mai pluvieux. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Bye bye, à bientôt, bisous bisous.